Ouais, je devrais vous le faire en 16/9e. Alors, la musique est peut-être pas appropriée. La question est comment vais-je y jouer? C'est-à-dire périphérique de jeu. Je me vois pas le faire à la manette. Oui, bonne journée à tout le monde. Hein. Ouais. Comme tu le dis si bien, FunFan. Non, par contre, dans un quart d'heure, une demi-heure, je fais chauffer mon eau de pâte pour pouvoir passer à table dès 14h15, parce que sinon je vais être décalé dans le miam. Mais c'est exceptionnel. Non, je vous fais du... Je me frotte à ce jeu-là qui est très sympa. Dommage. L'aventure sera suffisamment... Alors, je crois que j'ai pas programmé mes touches. Non, il est rigolo lui. Ah, il y a plein de persos que j'ai pas débloqués. Ouais, c'est des persos qu'il faut sauver. Normalement, on joue avec celui-là par défaut. Mais je vais essayer de mettre l'anglais là, l'aventurier. Voilà, il me fait marrer lui. Lui, je l'aime bien. Attends, je valide. Voilà. Donc, on voit l'interface qu'on peut jouer jusqu'à 4. Les trucs de fou. Waouh. Alors, ça, c'est le début de l'aventure. Ça, c'est je sais pas quoi. Et au fond, il y a quoi? Oh! Attends, ça c'est un coup de fouet. Faut que je retrouve mes touches, hein. Je vais peut-être d'ailleurs les programmer parce que... Ça c'est mon carnet. Comment je fais pour sauter? Ça c'est fouet, ça me va très bien. Mais... Ouais. Faut que je programme les touches, attendez, excusez-moi. Option peut-être. Mmh. Parce que je peux faire manette Non, il a pas l'air d'aimer Non, apparemment il a pas l'air d'aimer. Hein? Pourquoi tu dis merci Bastos? Oui, je sais pas, j'ai pas compris. Bref. Non, en bas gauche droite, c'est bon. Alors attends, il y a le saut. Voilà. Le fouet, je vais mettre voilà, bas, la bombe. Wouh! Acheter porte entrée. Ou comme ça. Ouais, je vais mettre la touche là. Ouais, c'est peut-être assez logique, je pense. C'est pas plus mal. Et torche d'acheter. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas 50 000 commandes. Reprendre le jeu. Donc, normalement. Voilà. Là, je fouette. Et là, je pourrais balancer des bombes et des cordes. Ouais, c'est un raccourci. Mais raccourci, vous en avez... Ah oui, le clan. Le chrono sera pas... Mmh. Bon allez, on va faire le mode de jeu normal. Ça devrait... Je devrais être pas trop mauvais. Du moins, j'espère. Ça, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi, ça? Mes salutations. Je m'appelle Yang et ceci est mon carnet de bord guidé par... Ah merde, c'est le tuto. Cet endroit dégage quelque chose d'étrange. On dirait que la disparition des murs change tout le temps. Je n'ai jamais vu la même pièce deux fois. Il se pourrait bien s'agir de la malédiction d'Olmec. Selon la légende, quiconque pénètre de ces grottes n'en ressort jamais. Les dessins sont magnifiques.
J'ai rassemblé mes pensées pour me concentrer plutôt sur le trésor. Si j'arrive à maîtriser les bases du mouvement et du combat, je ressortirai d'ici en homme riche. Bon bah c'est un petit tuto. Oui voilà. C'est pas plus mal. Voilà donc hop. Aïe. Oh. Alors faut atterrir sur la tête des ennemis pour les péter. C'est à l'instar d'un Mario. Oula, space plus... Oh merde. Attends. Ça, c'est un saut normal. Et c'est quoi l'équivalent de la... Oh, je sais pas c'est quoi l'équivalent sur mon périphérique de jeu. Je vais pas pouvoir faire la combinaison, je le sens. Merde, attendez. Ah merde, j'ai pas défini le... Alors, il faudrait que je fasse un saut en même temps, donc il faut que je fasse un truc assez instinctif. Ouais, je vais faire ça. Ça va être spécial. Retour. Donc si je fais... Voilà. Wow! Ça va être sport. Comme quoi le tuto a son importance. Évidemment, faut s'en mettre plein les fouilles. Alors celui-là, pour l'avoir, je pense qu'il faille courir. C'est ça. Sans jamais sauter. Et j'ai fini, non? Non? Attendez. Mais non, il y a une autre partie où il faut que je me laisse tomber, peut-être. Bah oui, c'est un cul-de-sac. Il faut que je me laisse tomber. Ah, la suite, elle est là-bas. Merde! J'ai loupé mon... Ça y est, ça commence. Ah. Aïe! Je croyais que j'allais atterrir dessus, mais j'ai merdé. Ah, trop tôt. Trop tôt, trop tôt. C'est un jeu d'adresse. Aïe, merde. Ah, je pensais que j'allais atterrir par-dessus. Alors là, j'ai fait une Lara Croft, là. J'ai fait une Lara Croft. Rien que le de, vous voyez, le tuto, je merdais. Je vais plus réussir à passer le tutoriel du jeu. Mais bah non, faut que je me débarrasse de mon ennemi, forcément. Alors le bestiaire est assez riche dans le jeu, mais je suis pas allé loin. Je suis allé jusqu'au niveau de la jungle. Et il y en a plein. Je crois qu'il y a 30 niveaux et j'ai dû m'arrêter au 6e ou au 7e niveau. C'est vraiment un jeu exigeant. Il y en a plein qui aiment y jouer en mode speedrun en fait. C'est un jeu qui invite à faire justement de la... D'ailleurs, je sais pas si tu le connais, Roster. Enfin, tu dois être à table, pardon. Mais je sais pas s'il est sorti sur console, Spelunky. Je pense que c'est le genre de jeu qui te plairait bien. Merde, j'ai cru que j'allais y retourner dans mon... Ah, tu le connais? Ouais. Ouais, faudrait que je saute sur le... Merde! J'y suis allé au mauvais moment. Ah bah. L'autre qui s'accroche. Merci. Eh bah dis donc. J'aurais pu y rester. L'expédition s'est révélée plus difficile que prévu. Je suis tombé dans des trous remplis de pics, j'ai marché dans des pièges et je me suis fait attaquer par des monstres. Tu m'étonnes. Non, attends, la suite, ah oui, c'est comme ça.
Et quoi que je fasse, je me réveille toujours à l'entrée des mines. C'est comme si la mort elle-même s'était perdue dans ses bas-fonds. Malgré l'étrangeté des événements, je reste concentré sur ma mission. Plus déterminé que jamais, je persiste à la poursuite de ma destinée. Suite du didacticiel que je vais peut-être même pas passer. Ah oui, le fouet. Le fouet. Oh là là. Faut vraiment y aller au bon moment, quoi. Ah oui, j'ai mis des bombes. J'irai faire la bombe. Alors ça, je crois qu'il faut... Oh là, oui, il faut le fouetter. Pour l'ouvrir, un coup de fouet à la Indiana Jones. Et puis... Tiens, parlant d'Indiana Jones, on a actuellement sur la croisette, là, Festival de Cannes, on a Harrison Ford qui est présent cette année. Ah oui, pour passer, il faut faire péter le... Ouais. Faire péter le sol. Le grappin. W. Merde. Ah 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 ! C'est pas ce que je voulais comme résultat, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Hop là ! Lancer arrière de... Burp. C'est rigolo. Burp. Bon, bref, j'arrive toujours pas à faire le grappin. Ah oui, mais j'en ai pas, en fait. Ah oui, j'ai pas l'air con. C'est parce que j'ai pas de corde. C'est pour ça que je peux pas exécuter le... Ah, il aurait fallu... Ouh, aïe, aïe, oui, j'ai peut-être un peu trop creusé. J'ai peut-être un peu trop creusé. Ça met nous. Ah. Des joyaux, des diadèmes. C'est ça qui est beau. À la base, Spell Lucky était un jeu gratos. Et quand son créateur a vu que son petit jeu avait un max de succès, bah, il s'est dit, je vais l'embellir et en faire un truc payant. Et il a bien raison. Donc je sais pas si la version gratos est encore en circulation sur internet, j'ai pas cherché. On va dire la version dégradée. Mais... Merde, je me suis trompé. Oh le con. Non, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. Ah, là, pas du gain. Ah oui, il voulait que je franchisse sa donf à fond la caisse, les pics. Ok. Au lieu de les sauter comme je fais. Oui, non, je vais pas prendre de risque. L'autre jour, j'ai aperçu un paradis luxuriant au bout de ces mines. Comment se fait-il qu'un endroit pareil existe en ces profondeurs? Et qu'y a-t-il au-delà? Les dessins sont superbes. Les marchands de ces cavernes parlent d'endroits encore plus magnifiques, toujours plus bas. D'anciennes cités entièrement faites d'or. Mon cœur. On dirait, vous savez, la marionnette des guignols de l'info, Johnny Hallyday. Mon cœur s'emballe, rien que d'y penser. Et honnêtement, j'ai failli lire mon cul, mais je me dis non, c'est pas possible. Ah merde, j'ai merdé mon jet. Oh la vache. Mmh. Je vais le fouetter, ça marche très bien. Ah non, la chauve-souris, elle est mal placée là. Aïe, je me suis blessé. Ah bah, je suis mort. Sur la barre grise, il y a toujours marqué le jeu de rallye. Ouais, au bout de 10 minutes, ça va. Merci de la remarque, mais au bout de 10 minutes, ça va. Ça va se rafraîchir. C'est vrai qu'il est lent à la détente, mais j'avais expliqué pourquoi. Attends, ouais, faut que j'attende que la chauve-souris se pointe et hop là. Merde! Oh, elle m'a touché! Ah, c'est un marchand. Alors, ne jamais agresser les marchands, sinon ils vous défoncent au fusil à pompe. Achetez la boîte, mister.
La boîte mystère. C'est quoi la boîte mystère? Oh. 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 Ah. Magnifique. Oh. C'est beaucoup plus drôle. En plus, les flingues, les munitions sont limitées. Oula, je vais empiler des lingots, moi. C'est l'arme favorite de la Jet. Oh, une miss. Bonjour, Mzel. Y'a rien à faire? Voilà, je rends les armes. Bon, je sais pas si je dois faire quelque chose avec la demoiselle, mais bon. Évidemment, je m'interdis de lui tirer dessus. Ce serait abject de ma part. Ah, alors attends. Il y a un truc au-dessus, mais pour l'atteindre, vas-y, quoi. Ah, si. Le héros qui nous fait des sauts à la Crane de Dying Light. Ah oui, tu vas goûter à mon fusil, toi. La chauve-souris fusillée. Ah oui, c'est haut. C'est haut et c'est pas un saut avec élan qui va... Oh. Ah oui. Oui, que de souvenirs. Les pièges, là, sur le côté, il faut les déclencher. Bam. Sinon, on meurt. Ah ah. Merde, non. Voilà, je veux me débarrasser de... Hein. Alors, du coup... Voilà, c'était ça l'instruction du grappin. Mais c'est des cordes qu'il faut acheter. Oui, bon, alors là... Celui-là, j'y renonce. Oh merde. Ah oui, PS1, ouais. Ouais, bon là, c'est ma faute. Mais on est sur PC, je vous précise. Je pense jamais à changer mon option de... Oh, que je suis con. Je suis un abruti. J'aurais dû fouetter la caisse, pas la balancer dans les pics. Ah, fallait que j'embarque la demoiselle, c'est ça? Eh bien... Hop là. Ouais, bah tant pis. Hein. J'ai été vilain, j'aurais pas sauvé la demoiselle. À celui ou celle qui lit ce carnet de bord, j'espère que vous trouvez ces informations utiles. Elles m'ont bien aidé, mais je n'en ai plus besoin. J'espère que ceci sera mon ultime descente dans ces cavernes. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai trouvé le fameux trésor. L'illustration est marrante. À moins qu'il y ait encore plus de surprises à découvrir. On se demande comment des blondes aussi bien habillées en pin-up se retrouve à 1 km de profondeur. Ah, le jeu vidéo. Bref, eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Prenez cette clé, elle ouvrira l'entrée des mines. Suivez-moi si vous le pouvez. Bonne exploration, gang. C'était le tuto. Et là, on se lance dans l'aventure. Alors... Les Mer Boys. J'y ai un peu joué en antenne, ouais, mais j'ai jamais fait entièrement ou en direct sinon. Ah, d'accord. Très bonne question de FunFan envers Aerostar. Ah, alors c'est bon à savoir, le fait d'avoir le pot dans les mains ne me protège pas des collisions. Je me suis pris le truc en pleine poire. Alors là, je sais pas comment procéder. Voilà. Alors, de là à sauver le clébard. Oh là là. Alors, c'est généré de manière aléatoire à chaque fois, mais... La vache. Attends, il y a qui... Ah non, il y a rien, c'est le bout du tableau. Merde, j'ai fait une... Oh. Non mais je vais la refaire. Je vais la refaire parce que là déjà j'ai mal lu le... Non, j'aurais dû courir, qui est con.
Ah, puis c'est chronométré. On peut pas flâner dans les... On peut pas y rester 3 ans. Sinon, il y a un gros fantôme à la... Comment ça s'appelle ? Façon... Oh, je lis bien avec les barres. Façon... Les petits dragons, là. Oh, mes classiques du jeu vidéo que j'adorais quand j'étais gosse. Le chien, je le balance comme un caca. Oh ! Bah... Ah, il y avait un ennemi. Morceau de serpent. Oh non ! Il y avait un serpent dans la jarre que j'ai brisé. Oh, la violence. Ah ! M'a fait peur. Alors ça, c'est une petite, mais je sais qu'il y a un moment, il y a un boss, c'est une grosse araignée. T'es qui, toi ? C'est quoi, c'est un nouveau personnage que j'aurais déverrouillé ? Je veux bien le carnet de bord, ça sert à quoi ? Un tir de ce canon figera toute cible. Ah d'accord, c'est 1, 2, 3 soleil. D'accord. On va placer une bombe ici, ouais. Merde! Oh là 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 là. Je voulais la poser proprement, pas la lancer. Aïe, oh merde! Ok, tout va bien. Alors là, la config, elle est... mériterait que je fasse péter une bombe là, en fait. Si je peux faire péter en même temps le truc... Ouais, c'est bien. Au moins, j'ai désamorcé le... Oh, le bordel par ici. C'était un tir préventif. Il y a quoi là-dedans? Ah merde, il y avait une araignée. Ah, le piège. Bah, de toute façon, là, il y a un caillou, on s'en fout. Enfin, lui, il me servira à rien. Merde. J'ai du mal à progresser. La musique est extra. Oh non! La portée est limitée, merde! Bon allez, je vais pas perdre de mon temps. Alors là, je suis coincé. Ah, bah ça va aller, j'ai mis trop de temps. Oh là là, le fantôme est énorme. Oh là là, mais non, mais quelle horreur! Mais oui, magnifique. Je me fais doublement... double mort, vous voyez. La violence de... les cruautés de ce jeu. Vous voyez déjà le premier piège. Non. Faut que je lance une bombe. Enfin, si j'arrive à bien la lancer. Ah bah ça va. C'est pas ce que je voulais faire. Merci. Oula, il y en a du monde. Il y en a du people. Wouh! C'était chaud. Non, mais pourquoi tu t'es pas accroché? Oh, fallait faire flèche du haut, mais de manière... appuyée. Cette musique. Oh. Oui. Oulala.
Ah bah. Oh. Joli. Je me rattrape d'une échelle à l'autre. Cette config de mort. Mais y a rien par là-bas. J'entends un mec hurler. Bah alors, monsieur le bon dîner. Ah, je l'ai assommé pour le... Alors, attends. Ouais. Aïe! Oh, la peau de vache! Mmh. La chute. Oh, cool, je vais le sauver. J'ai sauvé ma blonde. Je crois que c'est moi qui ai choisi dans les options il y a longtemps de que ce soit un mec. C'est drôle. Ah, excellent. Hmm. 1, 2, 1. Oh là 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 là, ce jeu. Oh, un vendeur. C'est combien? Ah ouais, 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 j'achète. Merci, monsieur. Non, faudrait que je vous lise... Que je suis bête, je me jetais dans le vide. Faudrait que je vous lise dans la prochaine pause de fin de niveau, là. Je loupe sûrement des trucs intéressants, et je sais pas trop comment gérer, là... Mmh. Oh non, mais non. Oh là là. Vache. Mais... Mmh. Oui, non, je vais descendre. J'ai pas de... Ok. Ah, c'est un gros coffre à grosse serrure, donc faut trouver la clé dans le... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Alors, je crois que c'est un mec hargneux qui tire sur tout ce qui bouge, nous inclus. Donc, le gars super dangereux, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, les coffres qui protègent, il y a du matos. Donc c'est un jeu de... Est-ce que vous misez qui tout double en fait? Je crois que je peux emporter le coffre avec moi. Ah, on voit la clé. Oh merde, j'ai déclenché une chauve-souris. Et là, je peux pas... Merci. Alors, je sais pas ce que ça fait. J'ai un artefact, je sais pas à quoi il sert. Allez hop, je me barre. C'était quoi votre échange? J'ai joué... Oui voilà, nanana... Je dois confondre avec un autre jeu, dit Fun Fan. Même s'il que tu as fait. Peut-être Astalon, dit Aero, le jeu auquel tu penses, il ressemble un peu. Je connais pas Astalon, donc merci d'avoir déposé la référence dans le chat. Ce sera pas perdu. Hmm. Oui, alors tant que j'y pense. Ah bah tiens, pardon, je vais faire chauffer mon eau. Pause de 2 minutes. Je vais faire chauffer mon eau et j'en profite de ta remarque, Fun Fan, pour remettre PC. Donc ça va se rafraîchir sous peu. Hop là. 30 secondes, je vais préparer ma flotte parce que sinon je vais manger de manière trop décalée, ce qui est pas bien. Je me fais une joie de faire pub à Aeroster. Ça anime le chat. 30 secondes, enfin 30 secondes, non, j'ai besoin de 2 bonnes minutes, à tout de suite.
pardon, me revoilà. J'étais en train de faire mon autocritique au niveau du miam. Donc certes, je vais avoir plaisir de me faire des pâtes à midi, des spaghettis comme j'aime, mais j'ai la chance d'avoir pas mal de un bon stock de riz. La question est avec quoi je pourrais faire mon riz. Ah, que j'y pense dans les Ah oui, j'ai plus le focus sur le jeu. Bref, je reverrai ça un autre pas. Oula, ça se complique. Ah, vilaine chauve-souris. Elle va me poser problème, l'araignée. Oh la vache. Ouais. Comme les serpents, les araignées, il y en a différents types. Oh là, il y a la géante. Vous avez vu la grosse? Puis là, attends, non mais hey, je tombe dans le vide là, comment je fais? Est-ce que je peux la faire tomber, elle? Avec une bonne bombe bien placée. Observons. Oh, elle est pas contente. Oh la vilaine. Oh la vilaine. Waouh. Ouais, je peux fouetter. Je peux avoir à l'usure la toile. Oh, il y a d'un scorpion en plus. Oui, bien sûr. La zone de la mort. Message de FunFan 1992. Je reviens, je vais chercher un colis. Bon colis à toi. C'est bizarre comme expression. Mais y a pas de souci, je t'en prie, FunFan. Alors que le jeu me guac. Ah, là c'est une vraie belle blonde. Mafia voda blonde. Bon. Hey, je me marre d'ailleurs en parlant de blonde de mon perso là qu'on a vu hier dans Stardew Valley, Samantha. Je sens qu'on va se rendre la poire. Merde. Mais non, mais reviens. Mais non, mais va pas vers le serpent, Nunuche. Ah bah ça va. Elle est pas influencée par le... Enfin, agressée par... Oh là là, je fais de la merde. Oh merde, elle est morte dans les pics. Oh. Chez l'horreur, chez l'effroi. Auprès de ma blonde. Voilà. C'est bien une blonde. Ça parle mal. Bien vu, la Jade. Et voyez, on recommence au tout début. Hein. Un. Dur. Oh la vache. La vitesse à laquelle elle te tombe dessus. Vilaine. Brr. J'irai faire la bombe. Oh. Quand elle me rejoint. Ah. Alors là, je suis dans la mouise. Ah. Oh. Oh là là. Mais cette configuration de mort. Oh non, mais non, je vais mourir au secours. Ah oui, je me barre. Ah non, là j'étais minable. Y'a été minable. Aïe! Oh, je sais pas me placer. Je suis navré, hein. Vous voyez que je suis pas bon. Je vous fais une mouise monumentale. Ah. Non, c'est trop. Oh non! Mais non! Oh là là. Oh non, le coffre avec sa clé. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait une araignée.
Ça a l'air de valoir le coup par ici. Vas-y voir. Merde, la chauve-souris est pas morte et j'ai revu un squelette. Ah oui, il y a de la tunasse. Il y a de la tunasse. Oui, le gain est prodigieux. J'ai gagné des cordes. Et là-bas, il y a du pognon. Donnez-moi le pognon. Alors là, il y a un gros gros truc à faire exploser. Magnifique. La réaction en chaîne a eu lieu. Là, je prends des risques. Voilà! Et encore, je m'en sors bien. En fait, c'est horrible, mais c'est le truc à pas faire. J'aurais dû faire flèche du bas pour regarder le décor. Alors là, je vais faire péter et les piques et l'araignée. Ou pas. Non, mais il y a trop d'arachnides, là. C'est abusé. Non, barrez-vous, les araignées. Je peux pas vous voir. Ah, les vilaines. Non, ce piège. Attends, faut que j'arrive à pousser le bloc. Oh non, c'est dégueulasse. Non, mais cette configuration de mort, quoi. Merci. Hop, je me barre. Ah, le joli son du butin. Poing, poing, poing. Blonde. Ah bah. Sans regret. Ah, chez Batman. Non, l'araignée va me rejoindre. Vilaine bête. Vilaine bête. Viens par ici que je te... Ah, je l'ai loupé. Oh oh, j'ai un souci. Déjà la toile, elle me... Hein? Ah oh, oh, oh. Mais je savais même pas qu'elle pouvait m'atteindre. Merde, du coup j'ai fait une bêtise. J'ai plus de bombes, je suis dans la mouise. Merde. Et puis on peut être bloqué quand on a plus de matos. Attends. Je joue très très mal. En fait j'aurais dû titrer mon direct tout ce qu'il ne faut pas faire. Oh, je me suis trompé de touche. J'ai honte. Vraiment. Oh là là, double piège. Ah bah merde. Tout ça pour ça? Bon. Si, allez, on va dire que j'ai une bombe bien placée va faire... Voilà, magnifique. Ou pas. J'ai eu chaud aux fesses. Oh, mais cette configuration. Attends, je peux retourner la flèche contre... Ouais. Que je la lance... Mais non, mais... Oh, puis cette toile d'araignée qui m'en fout. Merci. Par précaution et anticipation. Allez, mange-toi une jarre dans la tronche. Voilà. Joli. J'étais pas sûr de mon coup, mais ça a payé. Mais il y en a combien des... Attends, je vais fouetter le... Ouais, c'est un cadeau. Et puis je vais fouetter ça... Oh merde. J'ai fouetté ça deux fois. Voilà.
Allez, gigabon. Magnifique. Magnifique, mais... Ah. Oh. Je peux le... Oui, magnifique. C'est ça. Par contre, j'ai peur de traîner trop longtemps dans les... Merde! Ah, j'ai loupé mon saut. C'est pas grave. Il y a pire. Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Les bons réflexes reviennent. La léchouille du chien. J'adore. Oh là là, je suis riche. Ah, si j'étais riche, 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 riche. Ah là, bali, 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 voilà. C'est l'opérette, un violon sur le toit, je crois. Il y a cet air célèbre. Je vous dis de tête, hein, je peux me planter, mais je sais que ma frangine adore cet air. Merde! Oh, un crâneur. Il va me donner un merde. Il va me donner rien du tout. Ah, j'ai de la tunasse! Qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, des bombes. Ah non, il a que des sacs de bombes. Ouais, mais j'en achète plein. Merci, monsieur le vendeur. Au revoir, monsieur le vendeur. Oh. Oh, ce tir magnifique. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh, j'étais sur le boulet. Oh merde, j'ai excité un vendeur, je suis mort. Hop là, je me barre. Le gros boxon. Putain, j'en reviens pas, j'étais sur le boulet qui roulait, dis donc. Oh, le boxon. Oh, un hôtel sacrificiel. Je peux sacrifier la jarre? Comment ça, bruh? Qu'entends-je? Quoi? Non, la blonde, elle a un bourreau. Mais le problème du bourreau, enfin mon problème, c'est qu'il a un fusil. Attends, comment je gère mon... Ça se joue à rien. Ah, de l'intérêt de lancer un objet dans le vide pour voir où est le fond. Oh, m'a fait peur. Mais arrêtez de tirer, bande de fous, là. Mais il y en a deux. Mais vous... Mais... Bah... Pff. Voilà, panique totale. Rien ne les arrête. Eh, ça vaut peut-être le coup de... Je pense stratégie, là. Les exciter au fusil. Les copains à la Jed, je parle mal. Parce qu'il adore les fusils, la Jed. Mais les laisser tirer comme des fous furieux, normalement, ils tirent du coup sur les... Sur les ennemis. Oups. Bon, laisse-toi tomber. Qu'est-ce qui pourrait être intéressante? Merde, la chauve-souris. Oui, j'ai gagné des bombes. Il y a l'air d'avoir du matos là-dedans. Bah,
Merde, je croyais que j'avais posé ma bombe. Attends, il y a la tunasse, mais... Oh ! Crotum. C'est vrai qu'il faut avoir le coup d'œil pour... Ah, la blonde est là-bas. Alors, pour la secourir, vas-y. Et là-bas, on a quoi ? On a un peu d'or. Non, c'est trop. Je vais pas me casser la figure de cet auteur. La sortie est à vue alors que je sais pas gérer mes distances. Je sais pas comment font ceux qui terminent le jeu. Franchement, je me pose la question. Vache. Et c'est que la première partie. Non mais c'est horrible. La fin du jeu doit être impossible. C'est un jeu pour les acharnés. Ah! Reva mourir, crâneur. Oh non! Il y a l'autel sacrificiel et l'araignée qui est géante. Ah, elle peut pas aller sur l'autel sacrificiel, la grosse araignée? Oh, ne me dis pas qu'elle va me rejoindre. La bête. La vilaine bête. Ah, il y a un vendeur. Oh merde, c'est quoi tout ce matos? Pistolet à toile, propulseur, chaussures à crampons. Canon d'immobilité, ça me plaît bien. Très pratique. Hop là. De la tunache! À moi l'or! Tout l'or du Capitaine Igloo. Le Capitaine Igloo qui par ici était pelle. Oh oui, magnifique. Merde, j'ai laissé mon flingue. C'est la jarre que je voulais. Merci. Ah non, je l'ai pas vu. Vilaine bête. Alors on a la clé, mais où est le coffre scellé? Où est le coffre scellé? Il est pas là. Alors la clé, j'en fais quoi? Sachant que j'ai besoin de mes mains pour mon flingue. Ouais bah tant pis, le coffre scellé, hein. Hop là. Ah! Maudite chauve-souris. Va mourir. Oh. Loupé. Ouh, la vilaine. Merde. Ah! Mais quelle horreur! Mais c'était quoi cette combinaison de mort? Oh là là, je suis doublement mort. Ou triplement, je ne sais plus. C'est d'une violence rare. Mais c'est pas possible. Je pense honnêtement avoir éché. J'échu, certes. Stéphane Escher est un très bon chanteur. Fort sympathique d'ailleurs. De réputation suisse. Non, sérieusement. J'ai prêché par excès de confiance. Parce que d'avoir mon flingue en main, je me suis mis trop à mon aise et je l'ai payé cash. Voilà. Oh. Oh, ça sert quoi le gant de baseballeur? Il sert à quoi le gant de baseball?
Si je fouette la caisse, je vais avoir un gros souci. Mais... Oh merde! Mais... Pourquoi? Alors ça, faut le savoir! Le fait de percuter la caisse, le moindre choc, même la bombe qui percute la caisse, ça la déclenche. Oh la vache! Autant dire que c'est de la nitroglycérine, quoi. C'est pas une tête de mort qu'ils ont dû mettre dessus, c'est TNT comme sigle. Oh merde. Oh l'araignée de la mort. Allez, viens ici, sale bête. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Au secours. Je la sens pas. Je la... Voilà. Voilà, je pense que c'est pertinent. J'ai bien déblayé. Ouais, non, mais je peux rien faire d'autre, là. Oh, merde. C'est même moins profond de l'autre côté. Alors, tunasse. J'ai dit de la tunasse, hein. J'ai pas dit autre chose. Ça parle mal. J'espère pas mettre trop de temps. Merde! Alors? Mais saisis-toi du... Mais! Ah, je peux pas saisir le coffre? Je suis obligé de le... Oh! De le saisir sur place. Bon. Bizarre. Eh, vraiment, l'obligation de regarder sous ses pieds avant de se lancer dans le vide. Hein. C'est... Merde. Qui c'est qui a gueulé? J'ai entendu un... Ah, ah. Il est dans une sale posture, le blondinet. Il fait tomber le caillou. Surtout que je vais en avoir besoin, là. Très bien. Non, presque. Merci. Bah c'est bien, j'ai un caillou de chaque côté. Oh là là. C'est bien, j'ai éliminé un ennemi en même temps, mais Oh! Je m'attendais pas à faire un si joli tir. Alors là par contre c'est la mort qui m'attend. Mais non, mais... Bah au moins j'ai fait sauter le... Ouais, j'ai plus de bombe, faut que je fasse gaffe. Mais je peux pas le sauver le blondinet, il est dans une config. Dans une config de l'impossible. Et merde, ça n'aura pas suffi. Voilà au kiki. Ah merde. Mais non, mais comment... Comment voulez-vous? Mais non, mais... Putain, je peux même pas revendiquer l'or, je vais me faire buter. C'est une horreur. Attends, faut que je jette bien le... Ah! Oh, ce piège... Ce piège qui puire. Et je vais me faire avoir. Oh. Wow. Eh ben dis donc. Eh, c'est mon niveau 1-1 qui a dû être le plus dur jusqu'à maintenant. Mon Dieu. La difficulté de ce jeu. Oui, j'anticipe quand je te ferai le relais de chaîne à Aeroster, hein, tu devines que tu m'excuseras. Je ferai juste un bonjour tout le monde rapide dans ton chat et j'irai me précipiter sur mon repas. Que mes pattes là, je vais me vautrer dessus.
je te laisserai juste expliquer, voilà, que je crie famine. Et j'ai plus de bombes, je l'ai dans l'os. Youhou! J'ai eu très très chaud. Ah, oh, de l'intérêt d'avoir des bombes. De l'intérêt d'avoir des bombes. Ah, j'aime bien leur niquer. Oh, je rêve à ce qu'il s'agisse de bombes. Dis-moi que c'est une caisse à bombes. Pas du tout. Ce sont des cordes, ce qui est pas mal. Mais j'aurais préféré des... Oh là là, le gadin. Ah, il y a des... Oh, il y a des sacrés trucs à... tiens, d'ailleurs, ça, c'est de la thune qui m'est offerte. Ah bah tiens, la dite blonde est... Ah bah je vais repasser par en bas. Voilà, faut juste espérer que je sois dans les délais et que le fantôme n'arrive pas. Ah. Bon, pardon. Je l'ai fouetté au lieu de le saisir. C'était pas souhaité, je suis désolé. J'ai violenté ma victime. Quelle horreur. Alors... Acheter une boussole, c'est sûrement pour localiser hors écran l'arrivée. Un téléporteur, un appareil photo. Ça fait quoi l'appareil photo? Je sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas. Lui, t'as atterré la Jed. Il est pas rancunier. Pour les séances SM, l'appareil. Oui, avec le fouet. Ouais, c'est ça, dans l'obscurité, tu as raison. Mais sans déconner, je sais pas à quoi il sert. Ah, c'est peut-être pour aveugler les ennemis. Oh, merde. Oh? Sérieux? Ah, c'est ça. C'est pour paralyser l'ennemi par le flash. Putain, c'est pas mal. Attends, j'ai de voir l'appareil. J'irai le ramasser plus tard. Oh, mais non, mais... Oh là là, j'ai du bol de pas me blesser. Joli. Je m'attendais pas à faire aussi bien. Oh, bon, alors là, la blonde... La pauvre blonde, je pourrais pas la sauver. Oh! Le flash a tué la chauve-souris. Ouais, peut-être que la... Ouais, c'est ça. La boussole permet de localiser hors écran la sortie. Ce qui est vrai, stratégiquement, qui est intéressant. Mais merde! Ah bah, va lui sauter dessus avec l'appareil photo. Mais non, mais elle va me buter, l'autre. Oh là 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 là, mais... Finalement, l'appareil photo, j'ai... Bon, bref. Gérer plusieurs objets simultanément, c'est une gymnastique particulière. Non! Oh là là, mais je pensais pas qu'il allait me voir d'aussi loin. Tiens, souris. Chauve. Heureux, fun. Un 3 quand même. Si je suis pas l'idiot, on va peut-être... On va peut-être voir un peu du pays. Ah, oh, il me faudrait des bombes, mais il n'y en a pas, le mec. Des cordes, des lunettes. Je sais pas à quoi servent les lunettes. Pour me la péter. Ok. Oh là là, il y a un mec sadomaso justement.
Lui, il vient encore aux soirées. Oh la vache. Comme tu dis. Ah. Non, j'ai aucun intérêt à aller là. Non, mais j'en ai aucun. Ah, bah non, j'ai plus de bombes. Oh là. Alors attends, je me laisse tomber comme ça. Merde, la chauve-souris va me... Va me stresser juste un peu. Ah, de la thune. Non, mais il y a trop d'ennemis. Attends, je prends un peu de thune. Parce que si je peux acheter des bombes sous peu. Merde! Oh! Ah! Elle va m'avoir! Non! J'ai paniqué, je la sentais pas du tout. Si près du but, oui. Ah là 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 là, ce jeu est d'une cruauté. C'est pas Pop and Ripop qui jouait pas mal à Spin Lucky, peut-être le 2. À une époque, j'aimais bien regarder, mais il diffuse plus. Aquilio. Il y jouait bien, Spill Lucky. J'adorais ses séances de... Alors là, la config, elle craint à mort. Voilà. De l'intérêt du sprint. Tant pis la blonde, hein, si tu meurs. Je l'ai jeté comme une vieille chaussette. Va mourir! Ah, j'ai vu qu'il y avait du sol. Non, il va se planter. Non, ça va. Tiens. Agression sur... Oh, merde! Je rigole, mais ça se retourne contre moi. Alors, la blonde. La blonde au masculin. Oh, joli! Oh! Oh! Oh, c'est moche! Attends, oui, je vais balancer le... Voilà. Et moi, je vais prendre mon butin. Merde. Merde! Pardon. Je deviens grossier, excusez-moi, mais... Je joue tellement mal que je me mets en stress tout seul. Et le reste du monde... Oui, oui. Ça a l'air bien pauvre. Le million! Le million! Oh, mais... Bah. Comment dire? Je renonce? Allez, on va faire le coffre. Enfin, je sais pas où est la clé. On sait où est la blonde. Elle est plus bas, mais... Oh là là. Non, mais le coffre est trop lourd. Alors qu'un rocher... De l'intérêt de tout balancer. Non, l'horrible et infâme araignée. Oh, la vilaine bête. Qu'est-ce que je fais? Je lance une bombe? Ah, je l'ai lancé trop loin. Merde. J'ose.
Mais non, mais c'est... Je suis en train de perdre mes bombes et j'ai mal joué. Et voilà, du coup, j'en ai plus. Bien fait pour ma tronche. Wouh! Mais c'est quoi cette config de mort? Mais non, mais non, mais... J'ai envie de dire, allez vous faire en papaouté, là. Ah, des bombes. J'aurais un parachute? Ah, pourquoi pas, tiens. C'est une assurance vie. Allez, hop, on achète de tout. Voilà, j'ai gagné un coffre. Je sais pas quoi en faire, j'ai pas la clé. Mais zigouiller la grosse araignée, je crois qu'elle éclate en diadème. J'ai un souvenir d'avoir eu un malin plaisir à tuer une grosse araignée. Je m'en étais fait un objectif par vengeance. Ah, c'est intéressant. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais... Oh la vache. Vilaine. Bête. Je sens que ce caillou va me servir. Merde! Oh! J'avais bon espoir de réussir mon lancer de cailloux, puis j'ai merdé. C'est haut. Ah, la thune m'intéresse. Le caillou aussi, d'ailleurs. Oh là là, mais c'est pire que dans Tomb Raider. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais point vu, la vilaine. Mais qu'est-ce que c'est que cette configuration de mort? Là, j'ai plus rien. Alors, j'ai pas mal de bombes. Oh non, non, il y a un monsieur sadomaso. J'ai trop peur. Non, bah, c'est la pauvreté. Je me barre. Oui, à plus, Aerostar. Bon direct, à tout à l'heure. Merci, bonne journée. Eh oui, oui, il faut préparer votre direct, les garçons. Bang, 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 bang. Hop là. Petit sacrilège. Vache, elle est lourde, la statue. Alors, la blonde. Puis-je sauver madame? Je ne sais pas. Je crois. C'est dommage qu'il y ait le gros serpent de la mort qui tue, là, parce que le gain était intéressant. Analysons avant de me jeter... Ah ouais, mais j'ai mon... je peux la jeter, je crois, la pauvre. Attendez, voir. Oui, pourquoi pas. Voilà, très bien. Très très bien. Oh vache! J'ai pas compris pourquoi ça s'est déclenché, mais waouh. Oh merde! Homme. Bon. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Mais bon, aller par là-bas, ça vaut pas le coup. Nope. Mmh.
Alors, le crâneur, il est parti dans les limbes. On va dire, heureusement que la chauve-souris m'a entendu de loin. Ouh, ce serait peut-être intéressant de foutre une bombe là. Ah oui, c'est l'arrivée. Avec autant d'araignées, autant faire le ménage. Merde. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ouais, si je peux atterrir là. Oh. Ah, la blonde est pas si loin. La blonde n'est pas... Oh, l'araignée. Voilà. Corde. Parce que si je fais péter une bombe, je risque de déformer le niveau. Et ça pourrait se retourner contre moi. Oui, il va retrouver Aero, Funfan. Merci pour tout. Hein. Merci pour les clips et la modération. Vous inquiétez pas, je vous fais le relais de chaîne dans même pas 10 minutes. Et je commence vraiment à avoir la dalle. Là, j'ai... je me m'en pifferai de bonnes pattes. Je n'attends plus que ça. C'était un serpent dans la jarre. J'ai eu tout intérêt à exécuter le mouvement que j'ai opéré. Voilà, je me rattache astucieusement, habilement à la... l'échelle. Comment veux-tu que je passe ce bordeloum? Surtout si je lance mal ma bombe. Et merde. Merci. Se jette pas dans le vide. Merde, elle est dans une très mauvaise posture, la bande. Ah, il y a un hôtel sacrificiel. Oh là là là! On a foutu les jetons, cet idiot. Ah oui, un max de bombes! Vas-y, la boussole, c'est très bien. Dans l'escalade, non, attends, faut pas déconner. Mais voilà. Oui! Magnifique! Oh, la thune. Je suis riche. Oh non. Oh, la violence d'entrée de jeu. Oh, le pic de la moelle. Merde! Oh là là! Mais non, mais je peux pas passer par là! Au secours! C'est un cauchemar! Oui, bah faut. Oui, faut que je passe par là. Merde, c'était pas là que je voulais mettre la bombe. Oh, merde. C'est pas comme si j'en avais 15.
Heureusement. Oh merde, excusez-moi. Oui. J'avais programmé une installation de mise à jour sous Windows 10, vous l'avez vu. Ouais, effectivement, je vais redémarrer l'ordi. Juste le temps de faire le relais de chaîne à Aero et vous saluer tous, toutes et tous. Moi. Oh putain, il est juste assommé le salopard. Mais non, mais. Oh, le scorpion. Non, l'araignée, mais non, mais c'est pas jouable. C'est pas jouable. Allez, je vais arrêter là parce que. Je suis déjà plus dans l'esprit du jeu. Mais c'était bien, merci. Oh, je suis très vilain, j'ai fait un très violent Alt F4. La manière la plus rapide de. Wouh! Je suis mouru! Eh ben merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. C'est ça, je suis bien nourri, je suis un homme heureux, exactement. Je vous avouerai que je me fais des spaghettis spéciales. Je vais me faire une sauce, entre guillemets, avec du fromage de chèvre et des lardons. Ça va être bon. Bref, petit plaisir culinaire. Moi, je vous retrouve demain matin sur du Far Cry 2 aux environs de 9h ou 10h. Hein, ça dépend si je glandouille. Bref, demain matin, Far Cry 2. Là, on va avoir Harry Roster et FunFan sur du Resident Evil 4. Christella, tu dois diffuser tout à l'heure, en gros, de 16h à 20h. Donc, je me ferai un plaisir de te faire un coucou. Sachant que je vous rappelle, je vous ferai des coucous, mais je serai en pointillé sur vos directs cet après-midi. Parce que je vais faire plein de tâches ménagères, de différents trucs à faire que j'ai en retard. Donc, je vais avoir une après-midi productive. Par contre, ce soir, alors je crois qu'il y a Bastos qui va diffuser possiblement à partir de 21h, enfin je regarderai. Pour ma part, moi, je vais peut-être ouvrir ma vocale Minecraft ce soir, je pense, parce que je me vois jouer à Minecraft, me rejoindront ceux qui voudront, mais j'émettrai pas, hein, je serai pas en direct. Je serai sur le serveur, mais juste en vocale Discord pour ceux qui veulent me faire la causette. Et par exemple, je serais tenté de me regarder Bastos en même temps si tu diffuses ce soir, voilà. Bref, prenez soin de vous. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Pour le coup, voilà, je peux mettre du juste setting symbolique au niveau de la rubrique, mais bon, le temps que je fasse le zappage de. Ouais, je peux faire le relais quand je veux. Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Bougez pas. Est-ce que j'avais lancé mon navigateur? Je crois pas. Hein. Bah alors. Ah mince, attendez. Ah si, mon navigateur était lancé. Bah c'est bien. Je vais faire un relais de chaîne plus rapidement. Enfin, si je suis dans la bonne interface de Twitch. Donc prenez soin de vous, bisous tout plein. Et puis, voilà, plus, bisous. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Hein. Vous saisissez LSDN pour avoir mon lien de chaîne. Attendez, je peux peut-être vous le faire rapidement. Hop là, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui voudraient peut-être rejoindre le Discord aussi, c'est possible. Vous pouvez m'écrire aussi. Allez, j'arrête de faire mon foufou et de faire mon auto-promo. Bisous, prenez soin de vous. Et à demain matin sur du Far Cry 2. Ciao, ciao. Merci pour tous les copains. J'ai faim. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, évidemment les gens adorables qui me saluent en masse.